Good afternoon. Everybody's awake. Did you have coffee? Bon après-midi à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Addis Abeba pour le forum, 17e forum. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nous pour discuter. Je m'appelle Solomon Kassa. Je travaille à la télévision éthiopienne. J'ai un studio ici à Addis Abeba. Je suis conseiller principal pour les technologies.
Notre sécurité numérique est menacée. Des acteurs malveillants ciblent les aéroports, les hôpitaux, etc. Avec la sophistication et la cible, l'Internet est devenu un cyber, champ de bataille cyber. Aux États-Unis seulement, 847 000 plaintes du public ont été reçues du public. 7% d'augmentation par rapport à 2020, avec 6,9 milliards de dollars de pertes. La COVID-19 a contribué à de nouvelles menaces, le besoin d'accélérer la numérisation ainsi qu'investir dans les mesures de sécurité. L'attaque cyber s'est sophistiquée avec le nombre et la sophistication. Le coût global dépasse 6 000 milliards de dollars en 2021 uniquement, selon une remarque d'une chef d'une firme italienne d'aérospatiale lors d'une conférence de 2022. Alors, ce n'est que les points saillants de ce qui se passe dans l'espace cyber en matière de sécurité. Avec la cybermenace, les programmes malveillants, la criminalité augmente. Les technologies comme l'IA et des efforts sont en cours pour la réponse aux menaces numériques avec des mécanismes, des mesures de création de confiance pour stimuler la sécurité. Du côté du climat, l'UIT a lancé des centres de données vertes pour la promotion des normes et aussi pour le suivi des déchets électroniques. Il faut tenir compte de tous les défis. Le secrétaire général, Antonio Guterres, a dit « Regarder vers l'avenir ». Il y a deux choses qui changent. Cette session, avec ce groupe d'experts, avec ces panels, va voir les lacunes qui menace la sécurité dans le contexte régional et mondial, comment transformer les cadres normatifs dans la mise en œuvre pratique et partager les pratiques pour améliorer la coopération, la coordination entre les parties prenantes et la résilience du cyber. Et pour discuter de cela, on a un groupe d'experts distingués en personne et en ligne qui vont partager avec nous les idées, les perspectives. Et je voudrais inviter... Avant de commencer, je vais les présenter. Monsieur Tomas, ancien président de l'Estonie et co-président de la technologie de la chaîne de blocs. Il est membre du panel du FGI. Son Excellence Madame Mofariat Kami, ministre éthiopienne, ministre théologue, vice-ministre de la Namibie de l'Information et des TIC, Monsieur Hiroshi Yoshida, vice-ministre des Affaires intérieures et des Communications, vice-ministre du Développement, de la Communication et la Média de la Fédération russe. Elle sera en ligne. Monsieur Wei Zhongqi, directeur par intérim de la direction de l'antiterrorisme, secrétaire général de l'UIT, Monsieur Tawfiq Chalati, directeur adjoint de l'UNESCO pour la communication, l'information, Monsieur Nevklit, ambassadeur des États-Unis pour le cyberespace, Monsieur Rémi Narichon, ambassadeur de France en Éthiopie, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Monsieur Narali Josman, pour la sécurité politique de la sécurité, Dr. Norma
Descendant d'excellence de l'OTAN, M. Chris Forum, expert de Forum, M. Grisha, vice-président de l'ONU et des organisations internationales de Microsoft en ligne et président de l'ETIC Afrique. On va souhaiter la bienvenue à nos membres du panel. Et on des questions d'intendance d'abord. Je voudrais vous rappeler aux membres du panel que vous aurez 1 minute et demie chacun pour donner des réponses. Je vais bien chronométrer. On a notre collègue qui sera le chef pendant les 2 prochaines heures. J'ai confiance en vous qu'on n'aura pas à faire tout ça parce que vous allez respecter les 90 secondes. Donc, on peut commencer. La collaboration multipartite prenante, le public, le privé, c'est bien de sauvegarder notre espace. Quels sont les facteurs nécessaires pour construire la confiance entre les États et les autres acteurs clés et comment élaborer un cadre de sécurité de confiance? Monsieur Chen, merci seulement. Je suis fier d'être le premier de répondre à cause de mon vol de New York. Je vois qu'on a une situation interpellante ici. On a des questions beaucoup plus complexes à cet égard. Nous voyons qu'il y a un manque de confiance entre les juridictions, pas uniquement pour cela, il y a aussi un manque de confiance entre les agences publiques et les prestataires de services. Manque de confiance entre les agences de la force publique et ce défenseur des droits de l'homme, mais aussi entre les prestataires de services et les utilisateurs. Donc, ils reviennent à cela. Quand on dit qu'il faut créer un climat de confiance, on croit à cet égard que la collaboration multipartite prenante, le partenariat public-privé, l'approche qui tient compte de toute la société sera essentielle pour réaliser cet objectif. Ce qui est positif, c'est que l'ONU a déjà commencé un long chemin pour explorer différentes manières de créer cette compréhension commune pour parvenir à un consensus. Monsieur Osman. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Et je remercie le gouvernement hôte d'Éthiopie qui nous a accueillis. C'est un plaisir d'être ici pour créer la confiance. Je vais commencer par dire que sans confiance dans les produits numériques, les gens ne vont pas utiliser ces produits, ce qui veut dire que les sociétés ne peuvent pas tirer les bénéfices de la numérisation. Comme on l'a entendu ce matin, ça aura un impact négatif pour réaliser les objectifs du développement durable. La confiance est cruciale pour réaliser les ODD. La confiance numérique est le résultat de plusieurs facteurs, des relations entre les parties prenantes, mais surtout entre les États. Et je crois que ça commence par la transparence. La transparence sur
l'interprétation du droit international sur les législations nationales, sur sa mise en œuvre, sur les intentions, les procédures qui sont en place pour respecter les intérêts des autres États. Ça aussi a à faire à tenir les États redevables. Et je crois que toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer. Merci. Monsieur Fick en ligne. Merci Solomon et merci à tous. Je m'appelle Netflix. C'est mon premier FGI. Je suis le nouvel ambassadeur des États-Unis. Il faut mettre l'accent sur le mot confiance. C'est la monnaie d'aujourd'hui. On relie des milliards d'appareils par Internet. Des organisations vont vers le nuage et la COVID a accéléré la tendance vers la décentralisation et l'utilisation dans chaque entreprise. C'est plus important que jamais. Je vais souligner deux facteurs concrets pour créer la confiance et la sécurité. Une approche multipartie prenante, c'est très important pour ce forum. Mes antécédents, entrepreneurs des Internet et investisseurs en technologie, je vois l'importance du secteur privé et des OSC. Il faut un consensus durable demande un engagement à tout état. Le cadre de la responsabilité dans l'espace cyber. Tous les États membres de l'ONU ont répété lors de la fondation. J'interpelle qui que ce soit pour trouver quoi que ce soit pour que tous les États membres se mettent d'accord et signent aujourd'hui. Comme les autres, j'approuve tout ce qu'ils ont dit. J'étais dans le gouvernement, maintenant je suis dans... Mais je vois les deux côtés. Pendant 30 années, pour la lutte contre cyber, c'est ma carrière, j'ai vu la sophistication et l'impact. La confiance entre les pays est importante, mais il n'y a pas que les pays, il y a des acteurs importants, la société civile, le secteur privé, donc cette approche multipartie prenante est importante. Mon organisation renforce la capacité, c'est essentiel. Pour combattre toutes les mauvaises choses qu'on voit dans l'Internet, ce dont on parle, mais aussi ça réalise les bonnes choses. On va réaliser les ODD. Il faut une capacité pour s'engager. Les États, s'ils ne peuvent pas s'engager dans ces processus, s'ils n'ont pas les capacités, ils n'iront nulle part. Donc la capacité est essentielle dont s'occupe mon organisation avec un certain nombre de pays, des sociétés, le secteur privé et la collaboration entre ces parties, mais aussi tenir compte de l'objectif des normes. Donc j'espère pouvoir travailler avec vous. Monsieur Nagisho. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, les ambassadeurs, chers délégués, défendre une vision d'un cyberespace sûr et équitable pour les priorités de mon pays, la France. La confiance et la sécurité passent d'abord par le respect du droit international. La coopération en matière de renforcement des capacités, ça vient d'être évoqué, est également essentielle. Je tiens à préciser que l'enjeu collectif n'est pas d'accommoder certaines visions divergentes. Notre priorité est bien de garantir un Internet en tant que bien numérique commun, ouvert, sûr, neutre et sécurisé.
Pour assurer la confiance, qui est la question qui vous occupe, et la sécurité numérique, l'approche multipartite est déterminante. Donc les États, les organisations internationales, la société civile et les plateformes, nous sommes tous collectivement responsables. C'est une méthode de travail inclusive que nous souhaitons poursuivre de manière proactive. À ce sujet, la France a lancé trois initiatives que la plupart d'entre vous connaissent. Le premier, c'est l'appel de Christchurch, conjointement avec la Nouvelle-Zélande, l'appel de Paris et plus récemment le laboratoire protection de l'enfance en ligne. Toutes ces initiatives ont un point commun, qui est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer la confiance et la garantie de la sécurité dans le cyberespace. Merci. Merci, ambassadeur. Je crois qu'on a Monsieur Kaseva en ligne. Vous avez la parole. Это как любой вид спорта, например, футбол. Во всех странах мира команды строго следуют универсальным футбольным правилам, включая принцип честной игры, который является спортивной версией глобального доверия. Pour la confiance numérique, malheureusement, actuellement, de nos jours, on n'a pas de règles communes, on n'a pas le fondement pour le développement de la confiance et de la sécurité. Nos acteurs clés, tels que les États et les plateformes numériques mondiales, ont leur propre compréhension de ce qu'est que le comportement correct dans l'environnement numérique. Et ce qui marche pour un acteur ne marche pas parfois pour les autres. Et nous voyons que parfois le secteur privé et les entreprises suivent leurs propres règles. Il est évident que le monde, il est important que les pays peuvent assurer la confiance, la sécurité de l'Internet. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a parlé de cela dans son discours l'année passée. Il y a toujours des tensions dans la coopération internationale et la situation autour de certains pays du monde qui ne permet pas de commencer le processus de créer le cadre pour parvenir à un consensus. La seule façon de créer la confiance est de suivre les principes de l'égalité et du respect de la souveraineté des autres. Nous soutenons la coopération avec les organisations internationales pour trouver des façons collaboratives pour que notre espace cyber soit plus sécurisé et que ce soit plus de la confiance. Je voudrais attirer votre attention. Comment est-ce que les parties prenantes peuvent être impliquées de façon plus significative pour élaborer les normes cyber? Quelles sont les normes nécessaires et comment parvenir à un comportement responsable et que ça se traduise par des étapes concrètes? Merci beaucoup. Vous savez, le mandat de l'UNESCO est de promouvoir le libre flux des informations. Comment on le fait? Le renforcement des capacités par le biais de nos programmes. Enfin, ensuite, avec des instruments normatifs pour les 193 États membres. Deux exemples. L'année passée, l'UNESCO a les recommandations sur l'éthique de l'IA, qui a une composante de confiance, mais aussi le respect de la dignité des droits de l'homme, l'égalité entre les genres, mais aussi le respect de l'état de droit.
Maintenant, on va vers un nouvel instrument normatif parmi à la prochaine réunion, l'Internet pour la confiance, pour que l'Internet devienne de l'information pour le bien public et pas de la malveillance. Ce matin, j'ai parlé des caractéristiques de cette conférence. C'est pour combattre le discours de haine, la théorie des conspirations. C'est ce que je veux dire à ce stade. Monsieur Charek, qui est en ligne aussi. Merci beaucoup. C'est bien d'être avec vous sur l'implication significative des parties prenantes et l'élaboration des normes de la cybersécurité. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'avenue officielle, mais des progrès considérables ont été faits pendant les quelques dernières années, et en particulier le processus qui a été établi par le comité ad hoc sur la cybercriminalité qui peut être reproduit ailleurs. Il y a eu des processus en dehors de l'ONU dont a parlé l'ambassadeur de France, mais j'encourage les parties prenantes de s'y engager. Au-delà de cela, je veux souligner l'importance de la consultation avec les parties prenantes, quel que soit le processus officiel. La communauté multipartie prenante peut être impliquée dans la mise en œuvre des normes. Un exemple, c'est un exercice du processus d'Oxford. Sans avocats ont eu une déclaration pour le droit international et ont travaillé vers l'accord et ce que ça veut dire dans des contextes spécifiques, par exemple la protection des élections et l'Institut de paix pour trouver des recommandations, pour trouver des normes pour protéger l'infrastructure dans le contexte de la santé. Donc, c'est important. Si on veut que tout le monde mette en œuvre de façon fructueuse les normes convenues. Son Excellence, Monsieur Fayet. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonjour, bonsoir. En fonction du fuseau horaire, c'est une grande occasion pour moi d'être là et je vous souhaite la bienvenue en Éthiopie. Je m'appelle Mo Faria, ministre du Travail et des Compétences en Éthiopie. Le thème qu'on essaye d'aborder, c'est la confiance. C'est la confiance numérique, c'est les relations entre les personnes. Donc, quand on parle de confiance et comment nous allons faire engager les parties prenantes au niveau escompté, selon moi, il doit y avoir un changement d'attitude à propos de la question. On essaye de traiter de l'aspect technologique. Il doit y avoir un changement ici. Ça doit être une approche centrée sur la population concernant les, puisqu'il s'agit de relations, il s'agit de paix, de collaboration et d'interdépendance. S'il en est ainsi, il faut habiliter à commencer par l'école et réunir toutes les parties prenantes. On aura ainsi des normes valables, à moins qu'on ait un engagement multipartie prenante. On ne peut pas réaliser ce qu'on a conçu. Il faut donc cet engagement multipartie prenante par le biais d'une nouvelle façon de penser
au lieu de, avoir des mesures proactives avec des mesures de transformation, on peut habiliter les différentes parties prenantes pour aborder la question. Merci, Excellence. Excellence Théophilos. Merci beaucoup, Solomon. Bon après-midi à tous. Je suis contente d'être ici. La première question serait d'abord de savoir ce que sont les normes. Les normes au sein d'une communauté. Au niveau mondial, il faut que toutes les parties prenantes du village monde et les normes pour le cyberespace. Et l'autre question, comment marchent les normes? Comment on va les élaborer? D'où est-ce qu'elles décollent? Et qui va les adopter? Et au-delà de cela, qui décide de l'application? Pour répondre à certaines de ces questions, il nous faut avoir un genre de consensus d'accord entre les gouvernements, les organisations internationales, les parties prenantes du privé. Et quand il s'agit de la personne, on parle de respect mutuel, de dignité humaine, dont a parlé M. Tofik tout à l'heure. Et je vais terminer en disant que dans chaque application, il faut qu'il y ait une application systématique du droit international. Une fois que ceci est fait, une fois qu'on les aura acceptés comme normes universelles, on pourra réussir dans l'application, la mise en œuvre. Excellence l'ambassadeur. Sur ce thème, la France encourage une multipartite des questions liées au cyberespace et au numérique. Il en va même pour les processus des Nations Unies, notamment les travaux menés dans les groupes d'experts gouvernementaux et les groupes de travail à composition non limitée. Le très large soutien à l'adoption en première commission de l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution pour un programme d'action des Nations Unies, le 3 novembre dernier, est un signe tangible de l'investissement des États pour répondre à ce défi. Le programme poursuit un objectif clair, faire progresser le comportement responsable des États dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. De manière concrète, il s'agira d'un mécanisme permanent, inclusif et orienté vers l'action au sein des Nations Unies. Il comporte trois volets. Premièrement, soutenir les États dans la mise en œuvre d'un cadre établi pour un comportement responsable dans leur utilisation des technologies de l'information en encourageant les activités de renforcement des capacités. Deuxièmement, de promouvoir le dialogue et la coopération entre les parties prenantes concernées, c'est-à-dire le secteur privé, le milieu universitaire, la société civile, afin de contribuer à une meilleure mise en œuvre de ce cadre. Troisièmement, de fournir aux États un forum permanent pour examiner les efforts de mise en œuvre, discuter des nouveaux défis à la sécurité internationale dans l'environnement des technologies de l'information et mettre à jour le cadre sur la base d'un consensus. Ce programme sera complémentaire et coordonné avec les travaux conduits dans les enceintes existantes. Ce n'est pas un processus de négociation parallèle. Nous sommes impatients de nous engager avec tous les États au cours des prochaines sessions du groupe de travail à composition non limitée de l'ONU afin de poursuivre l'élaboration de ce programme d'action. Merci. Thank you so much. Mr. Chen, would you like to add UN's perspective on this matter? Monsieur le Président, voudriez-vous ajouter la perspective? Pour les activités contre la confiance et les activités antiterroristes sont plus faciles. On a travaillé là-dessus pendant plus de 30 ans. On est toujours en train d'en discuter. Quand j'étais jeune, j'en parle toujours. Avant, j'étais beau, maintenant, j'ai les cheveux gris.
J'espère que ces discussions peuvent aboutir à un traité international. Puisque nous n'avons pas de définition de la, dans cette situation, on a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'embûches, mais on a des principes de base. On a 19 documents contre le terrorisme et plus de 10 documents ou directives du Conseil de sécurité. Tout ceci peut être nos principes. Pour commencer, on va continuer à travailler là-dessus en tirant parti de ces documents. Aucune perspective à cet égard? À l'essentiel, il y a la co-création, une plateforme de co-création dans un environnement de respect mutuel où tous les participants ont la même voix et peuvent contribuer de façon égale. On a par exemple la Coupe du monde de football. Et comment se fait-il que les pays les plus éloignés peuvent jouer avec fair play dans cet environnement? Il faut que cette plateforme donc fasse preuve de fair play pour créer des normes et pour ce qui est de la participation. Mais ce qui est crucial, ce qui est essentiel, c'est de mettre l'homme au centre. Les droits de l'homme doivent être les normes qui protègent. Une fois qu'on aura réglé ce problème, il y aura des retombées sur la communauté plus large et sur les autres aspects. Et la mise en œuvre commence par des promesses. Il faut aussi répondre à la question « qu'est-ce qu'on demande de moi ?» et que chacun fasse ce qu'il peut. Monsieur Thomas est en ligne. Merci beaucoup. J'essaierai d'être aussi bref que possible. Ma préoccupation, c'est que les normes cyber, on y pense, avant les valeurs communes. Sans valeurs communes, ce n'est pas possible d'élaborer des normes cyber. Il y a des pays, des sociétés qui ont la liberté d'expression et il y en a d'autres qui ont des élections libres, démocratiques. Il y a des groupes multipartis prenant l'intégrité transatlantique qui s'assure qu'on suit les normes démocratiques. Ça ne sert à rien de faire tout ça s'il n'y a pas la liberté d'expression et si vous ne pouvez pas avoir des élections justes et libres. Les droits fondamentaux sont des préconditions parce que sinon on ne peut pas élaborer des normes qui auront un sens, même pas de cybersécurité, il n'y aura pas d'organisation de tutelle. Si vous n'avez pas un ensemble commun d'intérêts, c'est ainsi, vous pouvez
n'aimait pas partager des informations avec les pays qui ne suivent pas les normes fondamentales dans un domaine qui précède les discussions sur les normes du cyberespace, parce qu'au bout du compte, les normes du cyberespace, à mon avis, devraient être les normes d'une société libre et démocratique. Merci beaucoup. On s'excuse. Les personnes en ligne ne pourront pas voir, donc je présente mes excuses. Je réponds, j'apprécie tout ce que vous répondez. Maintenant, la question de la crise climatique. Quelles sont les approches adoptées pour faire en sorte que les technologies fassent partie des solutions du climat et pas les contraires? Et la redevabilité dans l'infrastructure, le recyclage, l'industrie, etc., l'exploitation minière et tout. Je donne la parole à M. Yoshida d'abord. Bon après-midi tout le monde, c'est un plaisir d'être là. Ces technologies peuvent être un problème, ça peut être une menace au climat. Par exemple, le trafic des données dans notre pays a commencé dès le début de la pandémie. En 2030, la consommation d'énergie dans le domaine numérique va augmenter, va être multipliée par 36 comparé à maintenant. En 2050, ça va augmenter, ça va être multiplié par 40 000. Uniquement pour le domaine numérique, ça peut doubler la consommation d'énergie des nations en 2030. Il faut développer de nouvelles technologies. Peut-être que la solution peut être la technologie de tous les réseaux, ça peut réduire la consommation de 1% avec les technologies existantes. On développe donc de nouvelles technologies numériques. Donc ça peut être une crise, mais ça peut être une solution. Comment utiliser la technologie numérique pour faire le pour créer une société résiliente aux catastrophes naturelles. Merci. Monsieur Kassiva, vous avez la parole. On peut utiliser la technologie pour soutenir les pays en développement, leur économie dans le contexte de la neutralité. Dans la COP27, il est important de souligner qu'il faut des efforts communs pour améliorer l'accès à la technologie et les échanges de technologies entre les différents pays. Et pour qu'il y ait une coordination de la chaîne de valeur mondiale, il faut aussi enlever les barrières au commerce. L'agriculture, par exemple, est un acteur important quand il s'agit des gaz à effet de serre. Et on ne peut pas résoudre ça sans inclure l'agriculture. Pour améliorer la situation de l'agriculture, on a besoin de nouvelles technologies, de technologies numériques pour améliorer la durabilité. En Russie, on fait le suivi des gaz à effet de serre en utilisant des vaisseaux spatiaux
spatiaux avec une innovation pour atténuer les gaz à effet de serre et leur effet sur la nature. Dans ce contexte mondial complexe, il faut que les organisations internationales créent la stabilité des États. Je vous rappelle que l'UIT est son rôle chef de file quand il s'agit des technologies et de la communication. The next question, the same question goes to you. I think this is maybe more important time for Africa because we just be the victim of climate crisis, why we're not the most beneficiary from the digital technology. So what's your perspective on this, Mr. Mashagoni? Thank you. I can hear you well. We cannot hear you well. Can you fix the mic, please? It should be witchcraft. De la sorcellerie. Alors, lorsqu'on parle de ce sujet, qui est celui de l'environnement, du changement climatique, c'est un sujet assez sensible qui doit être basé sur la confiance et sur un comportement qui correspond à la parole. On ne peut pas dire une chose et en faire une autre. Ça, c'est important. Et c'est ça le point de départ. Et à partir de là, il est essentiel d'avoir cette conscience environnementale aussi lorsque l'on parle de technologie. Lorsque l'on innove, jusqu'au moment où on se débarrasse de cette innovation, il faut être conscient de l'environnement, il faut en tenir compte. Tout commence par le concept même. Lorsque l'on est en train de créer ces innovations, il faut, à partir de là, mettre en place une réflexion appropriée afin de s'aligner aux objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés. Je m'arrêterai là, merci. Merci infiniment. Excellence, Madame. Je pense que la sécurité climatique signifie également sécurité alimentaire, c'est sous-entendu. Et les interventions technologiques doivent aider à résoudre ce problème, que ce soit le cas ou pas. C'est ça qui est la question principale. Ce qui compte, c'est la façon dont on utilise les technologies. Oui, les technologies peuvent être une solution, empêcher un certain nombre de problèmes. Par exemple, si l'on parle de l'environnement du côté vert, il y a des interventions technologiques. Par exemple, regardez l'Éthiopie. Nous avons un programme Green Legacy qui est un programme local qui est appuyé par les technologies. Le Premier ministre, Son Excellence Dr Abiy Ahmed, a mis en place cette initiative. Et l'objectif de Green Legacy est d'atteindre, ou plutôt de planter 18 milliards d'arbres. Nous sommes arrivés en fait à 25 milliards, il y a un milliard, il n'y a pas millions d'arbres plantés depuis 4 ans. C'est donc une initiative locale qui est sous-tendue par des compétences autochtones, des connaissances autochtones, des populations locales, tout le monde a participé. Alors, lorsque l'on parle de technologie, ne pensons pas uniquement au côté le plus sophistiqué, pensons aussi aux solutions locales, autochtones, aux peuples indigènes. Alors, ma réponse, c'est oui, nous devons déjà tenir compte de ce que nous avons. Merci. Monsieur Tulasi, à la parole. Merci infiniment. Je pense qu'arriver à zéro émission de 2050, ce sera important pour arriver à lutter contre les changements climatiques.
L'intelligence artificielle, les technologies avancées, l'analyse seront très importants. Nous pouvons réduire de 5 à 10 % les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'intelligence artificielle. Ce sera crucial, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi trois dimensions importantes. Tout d'abord, les décideurs doivent connaître ces avancées technologiques, savoir ce que cela peut faire pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il faut qu'ils en soient conscients, mais qu'ils intègrent aussi ces technologies. Deuxièmement, le renforcement des capacités artificielles. Nous pouvons connaître les technologies, mais ne pas avoir les ressources nécessaires, ressources humaines compétentes pour introduire ces technologies. Troisièmement, il faut aussi un accès libre aux données, à la science, pour pouvoir développer suivre des politiques de lutte contre les changements climatiques. L'an passé, l'UNESCO a adopté une recommandation science ouverte, accès libre aux sciences, signée donc par les États membres. Ça donne un accès libre donc aux sciences, aux données, à tous les pays du monde. Et c'est une initiative très importante pour le renforcement des capacités dont j'ai parlé tantôt. Merci. Merci, Madame Bogdan Martin. Je sais que l'UIT a différentes initiatives à ce niveau. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Il y a de nombreux parallèles que l'on peut établir entre la crise climatique et la cybersécurité. On en a discuté depuis des dizaines d'années. C'est assez polarisant aussi, ces discussions qui sont souvent très politiques. Et la menace est de plus en plus grave. Donc nous avons besoin d'avoir une percée, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, sans quoi il y aura une véritable crise. Mais la bonne nouvelle, comme l'ont dit d'autres intervenants avant moi, c'est que les technologies numériques ont un rôle essentiel à jouer dans le secteur climatique. Suivi, atténuation, adaptation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes aussi des émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, soyons aussi verts que possible, avançons au niveau des normes vertes, faisons le suivi des émissions de gaz à effet de serre et, comme Tofik vient de le dire, collaborons au niveau des politiques, des réglementations. Nous devons aussi nous améliorer en termes de suivi, gestion des déchets verts. Il y a que 78 pays qui ont des politiques, des lois pour la gestion de ces déchets verts. Nous devons aussi promouvoir les systèmes d'alerte précoce. Nous sommes félicités que la secrétaire générale annonce, le secrétaire général annonce 3,1 milliards de dollars dans les 5 ans à venir investis dans la mise en place de systèmes d'alerte précoce. Merci. Passons à la question suivante. Comment est-ce que les pays peuvent mettre en place une coopération durable entre les différentes parties prenantes au niveau national? Quels sont des exemples de cas de coopération réussie sur la sécurité? Donc, coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire. On démarre par M. Yoshida. Merci. Je pense qu'il n'y aura jamais de fin à la lutte contre les problèmes de cybersécurité. Les risques de cybersécurité sont en hausse. Il nous faut davantage de ressources humaines. Il y a deux choses à noter. Tout d'abord, des partenariats publics privés. Par exemple, nous avons mis en place un système de partage d'informations entre les secteurs publics et privés dans notre pays. Deuxièmement, il faut continuer de mettre en valeur les ressources humaines. Nous avons eu un certain nombre d'activités. Nous avons mis en place un centre de renforcement des capacités pour la cybersécurité au Japon. Ça a été créé à Bangkok en 2018. Nous avons également un projet conjoint avec la Banque mondiale, partenariat pour le développement numérique, donc Digital Development Partnership. Nous appuyons donc un certain nombre de pays en Asie, en Afrique. Cette initiative a été étendue à un fonds multidonateur au niveau de la Banque mondiale et les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Estonie et d'autres pays sont des contributeurs. Enfin, il n'y a pas de solution immédiate, il n'y a pas de panacée, de solution magique à la cybersécurité, mais nous devons continuer la lutte continue. Merci. Madame Jarsma, votre réponse.
Merci. Alors oui, établir une coopération entre les parties prenantes au sein d'un même pays, tout cela dépendra en fait de la culture. Moi, je viens d'un pays, Pays-Bas, en dessous du niveau de la mer. Nous avons toujours appris à lutter avec plusieurs parties prenantes contre l'invasion de l'eau. Donc, notre pays, notre prise de décision, nous basons tout sur des consensus avec plusieurs parties prenantes qui sont donc impliquées. Mais de façon plus générale, un enseignement que nous avons tiré, qui peut s'appliquer à d'autres pays, eh bien, c'est que si un pays veut avoir des échanges entre différentes parties prenantes productifs au sein du pays, un bon point de départ, c'est déjà que la partie prenante qui a plus de pouvoir invite d'autres à s'exprimer et à participer au processus de prise de décision, partager déjà un peu de votre pouvoir. Ça, c'est ainsi, c'est notre attitude aux Pays-Bas dans l'affaire internationale. Nous essayons, nous sommes plutôt un pays hautement numérisé, et cela signifie qu'il y a aussi beaucoup de responsabilités. Nous écoutons les autres, nous essayons de le faire en tout cas, essayons d'aider aussi nous essayons d'aider les autres à faire cette socialité vers l'ère numérique. Et c'est pour cela que nous avons créé avec d'autres parties le Forum mondial sur la cyberexpertise. Et nous aidons aussi au niveau du programme d'action pour le renforcement des capacités sur le droit international. Nous essayons donc de partager ainsi notre expérience numérique. Merci. Alors, M. Fick, nous sommes en train de découvrir à quel point 90 secondes, c'est très court. Alors, deux exemples, très rapidement. Tout d'abord, au niveau national aux États-Unis, on a le Joint Cyber Defense Collaborative. Donc, c'est un partenariat entre différents gouvernements, les collectivités locales, le gouvernement central et le secteur privé. Et la clé, c'est le partage d'informations dans les deux sens. Ce n'est pas l'information qui part d'un côté vers l'autre. Vous me donnez l'information, je la rends confidentielle, vous ne recevez rien. Non, c'est un partage mutuel, une réciproque qui profite à tous. Au niveau international, un exemple de réussite, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le travail qu'ils font pour le cyberespace. Et la réussite de cette initiative, c'est que vous avez donc des accords qui sont négociés lorsque les tensions ne sont pas élevées. Donc, il y a différentes versions au fil du temps et ainsi on dégage un consensus durable et on peut utiliser donc ces initiatives lorsque les tensions existent, sont plus élevées. Madame Bogdan Martin. Merci. Pour commenter ce que Nate vient de dire, afin d'arriver à cette coopération durable de qualité, il faut le dialogue, il faut des échanges entre les différentes parties prenantes. Et comme vous l'avez dit également, Chris, il ne s'agit pas seulement de discussions entre les États, mais il faut aussi impliquer la société civile, les citoyens. Il nous faut de nouveaux modèles hygiéniques. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de créer de façon conjointe la co-création. Oui, c'est important. Il faut aussi une approche impliquant tout le gouvernement. Il faut que les institutions internationales jouent leur rôle. L'UIT est le facilitateur principal pour C5. Nous jouons aussi notre rôle. Nous travaillons également avec des partenaires comme l'institution de CRIS. Nous travaillons ensemble au renforcement des capacités. Et puis, nous avons aussi l'indice mondial de la cybersécurité qui est l'occasion de partager les meilleures pratiques et d'identifier les lacunes, déficits en termes juridiques, techniques, au niveau des organisations, au niveau des capacités et de la coopération. Merci. Merci infiniment, Monsieur Thomas. Merci, je serai plus bref cette fois-ci. Trois exemples de coopération qui fonctionne, durable, pérenne. Je ne sais pas si ça va vous plaire, mais ce que j'ai vu de mieux, c'est le centre d'excellence de l'OTAN pour la cybersécurité.
qui inclut plusieurs membres de cette organisation de l'OTAN, et puis vous avez aussi plusieurs pays européens impliqués, vous avez également l'Australie, le Japon, qui participent. Donc ça, c'est une organisation basée sur la confiance, le respect des valeurs communes et qui fonctionne très bien depuis les cyberattaques massives sur mon pays en 2007. Et depuis lors, nous avons donc 14 ans d'expérience. Deuxième exemple de coopération pérenne, vous avez Digital Prescriptions Pioneers dans mon pays. C'est devenu interopérable. Il y a une interopérabilité avec la Finlande, le Portugal, la Croatie. Et Et nous avons aussi mis en place un système volontaire, le Cyber National Guard. Vous avez donc la société civile qui est impliquée, ainsi que d'autres acteurs de la société civile, mais aussi du numérique, qui travaillent ensemble pour mettre en place cette cybersécurité. Et ça, ça concerne l'Estonie. Merci, M. Thomas. M. Painter a la parole. Deux choses. Il y a 11 ans seulement, j'ai été l'un des premiers cyberdiplomates dans le monde. C'était il n'y a pas si longtemps. Alors, élever cette question à un niveau de politique, de diplomatie, c'est important, mais c'est un autre type de diplomatie avec différentes parties prenantes, pas seulement les États. On doit consulter d'autres parties prenantes comme le cas. Deuxièmement, il y a aussi le renforcement des capacités. Pérenniser la coopération, le développement, et ça doit être inclusif, et comme je l'ai dit, nous sommes un modèle, nous avons 170 membres partenaires avec à peu près 60 pays, la société civile, le secteur privé. Et comme Doreen l'a dit, nous avons des partenaires comme l'UIT, l'Union africaine, ASEAN et beaucoup d'autres. Deux exemples encore une fois. Tout d'abord, nous avons des groupes de travail autour de thèmes clés. Nous avons également un portail mondial, le Civil Portal, qui est ouvert à tous. Et enfin, ce qui est plus approprié dans ce contexte, nous avons aussi un réseau d'experts africains depuis 2 ou 3 ans. Nous avons des cyber-experts qui travaillent avec l'Union africaine, avec les communautés, pour renforcer les capacités africaines et pour adopter une approche basée sur la demande. Ce n'est pas seulement ce que l'on veut offrir du nord vers le sud, mais c'est le sud qui dit voilà ce que nous voulons, ce que nous attendons de ce partenariat. Merci. Docteur Norma, avant que vous ne répondiez, vous aurez en fait 3 minutes plutôt, parce que vous deviez donc répondre à la première question, vous n'avez pas pu le faire. Vous allez pouvoir parler donc de confiance numérique et répondre à cette dernière question, à cette autre question aussi. Merci, c'est bien que le collègue russe ait été aussi long pour la première question. Et moi, je me retrouve avec ces 3 minutes. Comme Thomas Hendrik Ibves, le ancien président, l'a dit, il y a le centre d'excellence et tout est basé sur la confiance, la coopération. On a 38 pays dans ce centre et notre rôle est d'aider les pays à faire face aux menaces dans le cyberespace. Nous sommes une coalition, comme vous le savez, le cyberespace ne connaît pas de frontières et la coopération est essentielle. Alors, comment créer cette coopération? Il n'y a pas de miracle, hein. Il y a donc 2 principes très simples. Tout d'abord, connaissez votre voisin. Deuxièmement, créez cette confiance, instaurez la confiance avec votre voisin. Vous ne pouvez pas faire confiance à un voisin que vous ne connaissez pas. Alors, tout d'abord, il faut travailler sur les meilleures pratiques, partager les enseignements, créer une communauté. Et ce sont les experts, les chercheurs juridiques, les juristes qui travaillent sur le terrain ensemble et qui apprennent en fait à se faire confiance avec cette collaboration sur le terrain. Je pense que c'est la chose la plus importante et aussi ici à ce forum, IGF, vous avez donc toutes ces personnes qui se retrouvent ensemble et qui vont pouvoir créer cette confiance en se rencontrant. Je conclurai sur un exemple, l'Ukraine.
et l'Estonie, mon pays. Alors, ce sont deux pays hein, qui ont eu à très très bien coopérer. Vous avez beaucoup de meilleures pratiques qui ont été adoptées par l'Ukraine, qui viennent de l'Estonie. Et puis l'Ukraine maintenant a eu à avancer tellement vite que l'Estonie va maintenant, notre pays va s'inspirer de l'expérience ukrainienne pour la prochaine génération de gouvernance. Donc c'est un exemple de situation de coopération économique, numérique, où tout le monde est gagnant, les deux nations sont gagnantes. Et enfin, au niveau de l'OTAN, nous n'avons pas seulement à faire face à la misinformation, cybercriminalité lambda, mais personne ne parle de cybercriminalité au niveau des États. Il y a plusieurs nations, en fait, qui font la promotion de cybercriminels, autant que possible d'ailleurs. Et ça peut être un jeu politique avec des gains politiques ou même économiques. Parlons de cette cybercriminalité. Maintenant, nous avons nos amis en Ukraine qui sont attaqués par des voisins qui n'aiment pas le fait que les Ukrainiens profitent de leur liberté, qui veulent protéger leurs frontières. Alors, nous faisons de notre mieux pour ramener la paix dans l'espace cybernétique de l'Ukraine également, et pas seulement dans le pays physique. Merci à tous. Nous allons passer à la question suivante. L'objectif de la transformation est d'améliorer les vies plutôt que de créer une fracture numérique ou d'exposer les pays à un danger. Alors maintenant, la question c'est, ces vulnérabilités de confiance, de sécurité au niveau numérique, en quoi est-ce que c'est lié aussi à des problèmes de droits humains et économiques en Afrique et ailleurs? Et quels sont les défis liés à la résolution de ces vulnérabilités? Je pense que la perte d'identité, de propriété intellectuelle, de souveraineté, de patrimoine, ce sont des conséquences de ces vulnérabilités dans le cyberespace. Au-delà, ce que nous avons constaté, c'est qu'il faut s'attaquer en fait aux questions fondamentales. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est le respect de soi qui devient le respect des droits des autres. Et c'est ainsi que l'on commence une auto-réflexion avant de se livrer à des actes négatifs envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui commence par la culture et qui se prolonge tout au long de la vie. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle karma au Japon, bon karma, en faisant du bien, on attire le bien, il faut intégrer cela dans nos processus, il faut aussi parler de l'ingénierie sociale, qui est le point de vulnérabilité, le premier point de vulnérabilité, l'éducation, la conscientisation continue, le renforcement des capacités sur ces questions sont essentiels pour trouver une solution à ces vulnérabilités. Excellence, monsieur, ou plutôt madame Camille. Après monsieur Tabou, madame Camille a la parole. Merci. Alors, la sécurité est un droit humain et la sécurité numérique n'y fait pas exception. Donc, il faut créer une confiance centrée sur l'être humain pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Ça, c'est la chose fondamentale. Il faut renforcer la paix, la coexistence harmonieuse dans le cyberespace. Des pratiques de cybersécurité, politiques, stratégiques, qui placent la personne en son cœur avec une approche systématique, tenant compte donc des aspects sociaux, économiques, sans négliger les intérêts nationaux pour tirer les avantages maximum de cette ouverture numérique. Et il y a des intérêts en concurrence dans ce contexte. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un équilibre, un compromis entre ces intérêts en conflit, en concurrence.
Madame Bogdan Martin. Merci. Alors, en 2021, Interpol a constaté que le PIB en Afrique était réduit de 10% à cause de la cybercriminalité. Une perte. Et cet impact économique est clair, évident, et les risques liés à la cybercriminalité sont en hausse avec les nouvelles technologies qui entraînent donc de nouveaux risques supplémentaires et la confiance est érodée. Et comme vous l'avez dit ce matin, sans confiance, la société ne va pas pouvoir profiter de la transformation numérique. La confiance universelle, la connectivité pour tous, la protection de cet besoin, de ce droit même de communication, c'est essentiel pour l'UIT. Nous croyons en une approche basée sur les droits au numérique. Il faut créer des réseaux de confiance, des services de confiance, et pour cela, il faut donc la sécurité, la protection des droits fondamentaux comme la vie privée, la liberté d'expression et d'autres droits. Et nous le démontrons par notre travail au niveau de nos stratégies nationales, ou de l'appui que nous apportons aux stratégies nationales. Nous travaillons avec l'UNESCO et avec le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Merci. Monsieur Sharrock, oui, lorsque l'on parle des défis liés à la cybersécurité, nous avons des préoccupations très semblables partout dans le monde, très similaires. Et la première préoccupation, ce sont les personnes. Il nous faut investir davantage pour mieux comprendre ces menaces. Il faut investir aussi davantage dans des experts compétents, c'est-à-dire des personnes qui comprennent l'importance des droits humains dans cette cybersécurité. Alors, les entreprises ont eu à investir beaucoup, ont eu à investir beaucoup dans ces services. Microsoft s'est engagé à investir 20 milliards de dollars sur 5 ans pour protéger ses consommateurs, ses clients, pour mettre en place des solutions, et nous comptons beaucoup sur l'intelligence artificielle pour faire face à ces attaques malicieuses, mais il faut quand même la contribution de professionnels compétents. Et on s'attend à ce qu'il y ait un déficit de 3,5 millions d'emplois d'ici 2025 dans le secteur de la cybersécurité dans le monde. Et pour faire face à ces défis, on revient encore une fois à la participation de plusieurs parties prenantes. Nous devons travailler ensemble, société civile, secteur privé, gouvernement. Microsoft aide à cultiver, en fait, cette main-d'œuvre de cybersécurité. Cette année, nous avons annoncé l'extension de notre campagne à 23 pays, campagne de cybersécurité. Nous avons un programme pour mettre en place les compétences nécessaires pour la sécurité. Chris a déjà parlé du travail important de GFCE et nous appuyons activement GFCE dans la région Afrique. Mise en place de l'intervenant, nous ne l'entendons plus. Les interprètes n'entendent pas les intervenants. Les interprètes ont perdu le son. Alors, tout d'abord, la cybersécurité, la vulnérabilité, c'est très important d'y faire face pour arriver à cette croissance économique, à cette transformation numérique dont on parle ici et ailleurs. Sans la cybersécurité, sans son intégration systématique, tout sera sapé, notamment en Afrique, qui est en train de créer ces nouvelles structures. Mais il faut la sécurité, la cybersécurité. Nous avons vu l'impact économique de même pour ce qui est des droits humains. Il y a souvent des États-nations qui font la promotion, qui subissent en fait des groupes qui vont cibler la société, des acteurs dans la société. C'est un problème. Je me rappelle il y a 8 ans d'avoir rencontré différents groupes de la société civile qui avaient peur en fait que la promotion de stratégies de cybersécurité ait un impact sur la société civile parce qu'on ne les consultait pas et on en profitait en fait pour supprimer la société civile. Alors les droits humains, l'économie, ça fait
fait partie de la cybersécurité. Tout ça, c'est interconnecté. Et lorsque je pense aux défis et aux solutions possibles, il n'est pas possible de continuer de traiter la cybersécurité comme étant une question créneau, niche, en isolement. Il faut que ce soit intégré dans les politiques de sécurité économique, de diplomatie, de cybersécurité. Et on doit donc éviter ces silos d'excellence entre les différentes sociétés, droits humains, économie, développement, cybersécurité. Toutes ces communautés doivent être intégrées en Afrique et ailleurs pour que nous puissions progresser. Merci, Monsieur Djelassi. Merci. Alors, les vulnérabilités sont dues à la mauvaise utilisation des données, souvent à la mauvaise gouvernance que l'on voit. Et ceci a créé des préoccupations liées aux droits humains. On en a parlé il y a quelques instants, la vie privée, l'autonomie, la discrimination contre certains groupes, notamment les femmes, d'autres vulnérabilités également que nous voyons beaucoup en Afrique. Il y a parmi ces vulnérabilités le fait que l'on n'ait pas accès aux données, aux technologies, au matériel et à des ressources humaines. UNESCO a mené une enquête majeure dans 32 pays en Afrique. Ce qui est ressorti, trois conclusions. Renforcer les capacités humaines et technologiques dans les numérique, y compris tenant compte du genre, moins de 20% du personnel sont des femmes. Renforcer la capacité humaine, l'UNESCO a formé plus de 9 millions de jeunes en Afrique dans le domaine du codage et de la programmation. Troisième priorité, conseiller le gouvernement pour mettre en place des stratégies numériques et créer des partenariats pour l'emploi des jeunes pour les applications et les systèmes numériques. Merci beaucoup. Les vulnérabilités en Afrique reviennent à une question de vie et de mort. Quand on parle d'infrastructures cruciales, infrastructures, hôpital, électricité, dans les petits endroits, il n'y a pas d'alternative. Donc, ça peut avoir un effet sur la vie. La paix et l'harmonie, souvent, l'interruption peut inciter des gens à la violence des groupes et les contributions par des groupes marginalisés unis. Et vous voyez l'appropriation culturelle pour la propriété intellectuelle unique. Ce serait une perte de revenus et de moyens de subsistance. On peut prendre le pain de la bouche des enfants dans beaucoup de cas. Et il vous souviendra que la réunion s'est mise en Afrique en tant que pays à la conférence. Avoir le cyber est important parce que la cybersécurité pour l'infrastructure cruciale est une question de vie ou de mort pour nos communautés sur le continent. Merci. Les technologies numériques sont liées intrinsèquement aux droits de l'homme et à la prospérité. Pendant les deux dernières années, ça a transformé comment nos parents, mes parents, ont accès à la santé, les enfants, à l'éducation. Et donc l'accès est essentiel. C'est souvent la peine de se rappeler qu'il y a deux genres de manque d'accès. Il y a 3 milliards de personnes qui ne sont pas connectées. Et Taurine a fait un travail magnifique et ça va continuer à lutter en tant que secrétaire général. Mais il y a une deuxième catégorie. Il y a plus de 150 exemples de gouvernements qui intentionnellement disconnectent leur population. Et on doit condamner ça sous toutes ses formes.
au niveau mondial et dans la perspective sécurité, quand les pays développent l'infrastructure, il faut des priorités. Il faut promouvoir un écosystème interopérable ouvert avec la chaîne d'approvisionnement et aussi la responsabilité des fournisseurs et des prestataires. Alors, quelles pratiques on peut adopter pour s'intégrer à la mauvaise information et à la désinformation? Comment parvenir à un consensus sur le climat. Merci beaucoup. Je vais donner deux exemples. D'abord, à petite échelle. En Estonie, l'ancien président l'a déjà dit. Il faut une ligue de défense du cyber. Ce sont des volontaires, des développeurs de cyber. Et l'une des composantes et de faire commentaire sur les campagnes de désinformation dans les médias. Il faut donc du temps d'antenne pour parler de ces campagnes de désinformation à propos des vaccins ou de la guerre en Ukraine, par exemple. Mais avec des volontaires, on ne peut pas tout régler. Mais ce qui est très important, c'est l'éducation. Pas uniquement l'éducation, les programmeurs, les ingénieurs, éduquer tous les citoyens pour qu'ils reconnaissent le vrai du faux dans l'information. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Merci. Mon collègue, Dr. Normally, a parlé de cette question. On a un élément important de la société pour décortiquer justement la désinformation dans notre pays, parce que le gouvernement n'a pas tellement de temps à consacrer à toutes ces désinformations qui viennent. Pour vous donner un exemple, pas de mon pays, mais comment la désinformation a un effet sur la santé. L'année passée, la radio russe en Allemagne propageait une campagne d'anti-vaccination. En même temps, dans les médias intérieurs, ils disaient aux gens qu'ils seraient renvoyés s'ils n'étaient pas vaccinés. Clairement, il y a une guerre cyber. C'est plus que d'avoir les fausses croyances. C'est un élément actif qui a un effet sur notre santé. Et il faut que l'on soit conscient de ces tendances dans le monde entier. Merci beaucoup, Monsieur Osman. Pour la désinformation, je crois que le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'expression a fait un travail très important. Elle a expliqué que la meilleure ligne de défense contre la désinformation est de créer la condition pour les droits de l'homme, le pluralisme et la tolérance, pour que ça s'épanouisse, pas uniquement se référer à des actions de déconnecter les gens de l'Internet, mais en tant que prendre une position en tant que gouvernement, envisager de financer le pluralisme, les façons d'augmenter le pluralisme. Bien sûr, avec un paysage médiatique très pluraliste, la désinformation peut créer un chaos, mais parfois les interventions sont légitimes, décortiquées, éduquées, 4 fois, 5 fois, à un certain niveau de modération des plateformes, des médias sociaux et la façon de progresser. Thank you. And,
Merci, Adam. La question du changement climatique. Obtenir des informations correctes est essentielle. La désinformation induit en erreur les citoyens. La chose importante, c'est que les gouvernements ne voudraient pas adopter un jugement qui va du sommet à la base. Il faut lancer des discussions entre les parties prenantes. Et chaque partie prenante a sa propre responsabilité. Par exemple, le gouvernement doit donner des informations objectives et les experts des preuves scientifiques. Ce faisant, la liberté de penser et de s'exprimer ne doit pas être entravée. Il faut qu'il y ait une compréhension commune tout en protégeant la liberté d'expression. Il faut une approche multipartie prenante. La culture médiatique aussi est importante pour lutter contre la désinformation. Monsieur Kaseva, vous avez la parole. Очевидно, что недостоверная информация сегодня инструмент и даже оружие текущей международной установки. И поверьте, нашей стране это очень important. Dans l'environnement international actuel, on connaît très bien ceci dans mon pays et on est confronté actuellement à beaucoup d'attaques qui ont été planifiées dans l'espace cyber. Beaucoup de types d'attaques et le rôle dominant. C'est la fausse information. Pour que vous compreniez mieux, les ressources d'information russes ont connu 80% de plus d'attaques de fausses informations. 9 millions de fausses informations ont été distribuées cette année dans notre espace cyber. Et il est très important de comprendre comment il faut lutter contre ce phénomène. Et il est très important que la sphère de l'information ne reste pas vide, ça doit être comblé. Actuellement, l'espace de l'information est très fragmenté et beaucoup de groupes et même de pays s'y engagent activement. Surtout les utilisateurs courants en souffrent. Il nous faut donc avoir des règles pour agir responsablement et réglementer ces activités à l'échelle mondiale. Les géants numériques actuellement utilisent leur pouvoir, abusent de leur pouvoir. Il faudrait donc qu'on ait des règles communes pour utiliser les plateformes numériques, probablement sous la tutelle de l'ONU. Et je crois que c'est l'un des thèmes du pacte numérique mondial. Les acteurs violents utilisent le COVID-19 pour augmenter l'opposition publique, la désinformation. Notre agence contre le terrorisme a donc inclus ce genre de travail dans le dialogue avec les pays membres. On a travaillé avec les organisations internationales pour produire un rapport avec la Commission de contre-terrorisme. Un certain nombre d'États membres ont besoin de renforcement de capacités au niveau de la politique institutionnelle et de la mise en œuvre. Sur la base du respect des droits humanitaires internationaux, qui a toujours des lacunes, donc le comité de lutte contre le terrorisme a adopté une déclaration disant que les États membres doivent continuer à travailler dans l'antiterrorisme. Donc dans ce programme, notre travail ne peut pas s'arrêter, il faut qu'on continue notre travail. Merci.
Excellence, Monsieur merci, Salomon. D'abord, la culture numérique. Au bout du compte, il faut équiper les citoyens avec des compétences, des habiletés, pour qu'ils puissent lutter contre ces désinformations et vérifier en tant que vice-ministre de la communication pendant de la pandémie, on essayait de communiquer des bonnes informations. C'était très difficile pendant la pandémie et on ne pouvait dépendre que de l'éducation des citoyens. Il faut les armer avec les outils appropriés et parce qu'il y avait des agences multiples, ils pouvaient partager les efforts. Donc il faut exercer davantage de pression sur les compagnies de médias pour mieux modérer, parce que sans modération appropriée, on ne peut pas contourner. On ne pourra pas ainsi reconnaître les fausses informations et la désinformation. Madame Marie-Jo, vous avez la parole. Merci, Salomon. Beaucoup des intervenants précédents ont parlé d'éducation. Moi, je voudrais insister sur un des principaux vecteurs de lutte contre la désinformation, qui est le soutien à une caisse de qualité et indépendante. Je souhaite évoquer brièvement deux initiatives auxquelles la France participe. La première, c'est le partenariat pour l'information et la démocratie, qui a été lancé avec Reporters sans frontières en 2019. À ce jour, 45 États ont rejoint ce partenariat, destiné à promouvoir l'exercice de la liberté d'expression et l'accès à une information libre, plurielle et fiable. Un sommet pour l'information et la démocratie a été organisé le 19 septembre dernier à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et un observatoire international sur l'information et la démocratie a été lancé. Sur le modèle du GIEC pour le climat, cet observatoire sera chargé d'évaluer l'évolution de l'espace informationnel mondial. La deuxième initiative est l'International Fund for Public Media, qui a été lancée au Forum de Paris sur la paix en 2021. C'est une initiative à laquelle la France contribue financièrement à hauteur de 15 millions d'euros. Le secrétaire général des Nations Unies avait signalé que la presse et les médias indépendants étaient menacés par un risque d'extinction majeur. Donc ce partenariat multilatéral et indépendant est une partie de la réponse à ce défi. Il a pour objectif d'augmenter de manière conséquente les financements disponibles pour soutenir les médias indépendants dans les pays de développement. Un autre aspect, la régulation. Au niveau de l'Union européenne, nous travaillons également à une meilleure régulation. C'est le règlement sur les services numériques, connu comme DSA, qui imposera aux plateformes de rendre compte aux autorités de régulation des risques que leurs industries font peser sur les démocraties en partageant les mesures qu'elles entendent mettre en place pour les atténuer. Il faut le rappeler, ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Merci. Mr. Sherrick, over to you. Thanks, Solomon. Merci, Solomon. Ça, c'est un domaine où l'approche multipartie prenante est appropriée et Microsoft dévoue à utiliser cela. Récemment, on a élaboré une approche pour contrer la désinformation fondée sur les 4D. Intégrité de l'information qu'on utilise dans Microsoft. On détecte, on chasse, et après avoir détecté, on essaye d'interrompre les opérations. C'est une façon d'avoir la transparence pour l'influence et le soutien financier pour empêcher que des publicités soient placées sur ces sites. Troisièmement, c'est décourager. Il faut des normes pour protéger et créer des normes de comportement. Et quatrième, c'est défendre. C'est les étapes positives, mesures positives pour défendre l'écosystème en partie. C'est la culture numérique.
éduquer les consommateurs. Et d'un autre côté, ça a déjà été dit, préserver et redynamiser le journalisme classique pour sauvegarder les nouvelles dont on a confiance. Le fait de ne plus. Merci pour la plate. En terminant notre panel, je voudrais donner. Ce sera plus difficile, je vais vous accorder 30 secondes. Alors, je commence par Monsieur Thomas. Monsieur Thomas, vous disposez de 30 secondes. Si vous êtes en train de parler, on ne vous entend pas. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. La menace commune, c'est les valeurs communes, les droits, sous une forme particulière dans l'espace cyber. On doit respecter les libertés et la démocratie. La liberté d'expression, l'expression libre, équitable, devrait être notre guide. Excellence, Mikouria. Merci beaucoup. Je voudrais souligner la nouvelle façon où le repenser la question elle-même, parce que le point essentiel du problème c'est de voir ça dans la perspective de la technologie. Et on ne peut pas résoudre ou aborder ce problème en mettant l'accent sur une seule approche et une seule solution. Donc il faut repenser, voir ça dans la perspective des personnes pour voir comment on peut coexister de façon pacifique avec une approche transformative au lieu de mettre l'accent sur les mesures de protection. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur les mesures proactives? Pour clore, je voudrais dire, pour qu'il y ait la confiance et la sécurité, on doit se voir comme égaux et comme des partenaires précieux pour que le monde soit plus sûr pour nous tous. On doit être des partenaires égaux. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui doit défavoriser partenariat équitable. À un moment où on doit tous accorder une certaine valeur à nos citoyens et à notre sécurité. Alors, on entend mal le monsieur Solomon. Hein. C'est pour ça que je n'arrive pas à faire la différence entre monsieur et madame. Le sommet de G20 en 2019, là où il y a la confiance, on peut accélérer. Toutefois, ce qui est important, c'est que la confiance ne doit pas être du ressort d'une seule partie permanente, pas une uniquement du gouvernement ou d'un autre. Ça doit être une approche multipartie prenante. On veut discuter davantage de cette question. Le Japon abritera le FGI l'année prochaine et on espère discuter sur différentes questions. Des questions qui ont été discutées ici, compris réduire l'écart de la fracture numérique, l'infrastructure, la confidentialité, la sécurité, les technologies émergentes. On se réjouit à l'idée de vous voir l'année prochaine au Japon. Monsieur
C'est trop cassé. Ah. Le thème de la sécurité est la priorité de tout le monde et la Russie a fait la promotion de ce thème à l'ONU pendant un certain nombre d'années. Ça doit être résolu au niveau international. Je vous rappelle d'un incident avec Acronic. C'est un bon cas à citer ici en Afrique, Afrinic, obtenait un statut d'une organisation internationale. On lui a renié cela. Ça doit être revu pour inclure le modèle multi-parties prenantes avec l'ONU. Je veux aussi ajouter que la Russie a traversé une expérience mondiale numérique qu'on veut partager avec d'autres pays et je saisis cette occasion pour inviter tout le monde à participer au deuxième sommet Russie-Afrique qui aura lieu en été à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup. Les TIC doivent être utilisés efficacement et de façon intelligente. Et j'espère que tout le monde pourra arriver à sa fin. Merci. Merci. Ce que je retiens, c'est qu'il y a l'urgence. On ne peut pas attendre. Il faut prendre des actions conjointes à grande échelle et tirer parti de ce qu'on a fait. On a tous un rôle à jouer, les femmes, les gouvernements, les députés, la société civile. Et un point sur la culture numérique et la culture des médias. Il ne faut pas sous-estimer ce que chacun d'entre nous peut faire en tant qu'individu. Merci beaucoup. Merci. Je crois tout d'abord que toutes les parties prenantes sont essentielles pour protéger les droits de l'homme en ligne ainsi que l'état de droit. L'UNESCO s'engage à soutenir les États membres à relever les défis de l'ère numérique par le biais du renforcement des capacités en IA et transformation. Récemment, on a publié un cadre de compétences pour la transformation numérique et l'IA pour les fonctionnaires utiles pour le gouvernement. Il faut des normes. Une participation des parties prenantes pour que la technologie soit développée et régie en étant centrée sur les hommes. Merci. L'une des mauvaises conceptions de la technologie, c'est qu'il s'agit toujours de la technologie. D'après mon expérience, c'est les personnes, les processus et la technologie dans cet ordre. D'abord les personnes, ensuite le renforcement de capacités, élever les technologies comme questions diplomatiques et autres, avec des forums multiparties prenantes tels que le FGI. Merci. À vous. La confiance entre les parties prenantes est indispensable pour assurer la sécurité en ligne. Et les trois piliers de cette confiance doivent être un, le respect du droit international, j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, ce qui est interdit hors ligne doit également être interdit en ligne. Le deuxième pilier, c'est l'inclusivité. L'Internet est un bien commun qui a été créé sur un modèle multipartite que nous avons réservé. Le troisième est la transparence, notamment au niveau des plateformes. Par exemple, dans l'utilisation de leurs algorithmes pour que les utilisateurs puissent les utiliser de la manière la plus avertie possible tous les outils numériques. Merci. Thank you so much. Thank you. Merci. We need to
Je crois qu'il nous faut mettre en œuvre ce dont on a convenu, en particulier au niveau de l'État où on a tous convenu qu'il fallait inclure que les droits de l'homme s'appliquent en ligne. Il faut le mettre en œuvre, le renforcement de capacités est nécessaire et il revient à la communauté multipartite de tenir le gouvernement redevable. Et comme c'est un forum de gouvernance, je voudrais faire la différence entre la gouvernance technique de l'Internet et la gouvernance Internet dans la partie technique. Il ne faut pas réparer ce qui n'est pas cassé. C'est fait par la communauté partie prenante, ça ne nous a jamais... Ça a fonctionné dès le départ. Il n'y a jamais eu de manquement. Mais au niveau du contenu, il faut qu'on ait des discussions là-dessus. Il faut être réaliste parce qu'il y a des différences à travers le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que tous dans cet auditoire partagent les valeurs. On veut la paix, la prospérité pour nos nations. Selon que cyberespace, Internet, c'est la voie à suivre pour promouvoir la prospérité et la coopération et la confiance sont essentielles. Alors agissons. Par exemple, développons nos systèmes de gouvernance électronique ensemble de façon transfrontalière. Les technologies, les solutions, travaillons ensemble afin que plusieurs nations puissent les utiliser. Et ainsi, nous pourrons vraiment créer cette confiance entre les personnes, les experts, les développeurs, tout le monde. Et à ce moment-là, on aura la paix dans le cyberespace. Merci, M. Bentham. C'est un nouvel exercice, c'est pas hyper plutôt, c'est l'exercice du micro. Deux choses, d'abord, nous avons progressé, je pense, c'est très bien, mais il reste encore beaucoup à faire. Et lorsque je regarde ce qui s'est passé depuis mes débuts, la cybersécurité, en fait, ça devient une priorité lorsqu'il y a un problème pendant ces 15 minutes, après on l'oublie. On ne peut pas se permettre de le faire, il faut que ce soit une priorité de long terme qui sous-tend les ODD, la prospérité économique des droits humains. Il faut éliminer les barrières, c'est une solution, l'approche avec plusieurs parties prenantes aussi, et le renforcement des capacités, donc trois approches. Et si vous souhaitez plus d'informations sur mon organisation GFCE, allez sur le site gfce.org. Merci. Merci Jacques. Alors, merci sur mon excellente discussion. Ce que je retiens, c'est qu'il faut travailler ensemble, qu'il s'agisse de protéger les personnes, les organisations face à la cybercriminalité, se protéger contre les attaques, contre les infrastructures, lutter contre les fausses informations. Tout cela, nous devons le faire ensemble. Il faut une stratégie coordonnée, détaillée pour renforcer les défenses, et c'est une tâche qui nécessitera la participation des secteurs publics, privés et de la société civile. Il faut un partenariat. Merci. Merci infiniment. Monsieur Machegwane, alors il nous faut créer des plateformes accessibles, justes, qui expriment et utilisent toutes les voies à égalité. Ce sera un très bon fondement pour le respect, pour la confiance. Et ce sera une plateforme, une condition aussi pour que l'on puisse aller encore plus loin à l'avenir. Pour citer Vincent, retroussons nos manches et travaillons pour mettre la main à la pâte. Merci infiniment, merci encore une fois à tous, chers panélistes. Merci pour une conversation très honnête. Vous avez éclairé sur un sujet très important, comment faire en sorte que l'Internet soit de meilleure qualité. Avec la confiance, la sécurité, nous avons tous retenu ces pépites. Nous savons maintenant comment, ensemble, créer un avenir numérique meilleur. On applaudit tous les panélistes, s'il vous plaît.
Comme nous le savons, le succès d'Internet est dû à son paradigme unique, ça appartient au monde entier, il y a des normes ouvertes, les technologies sont accessibles, les procédures politiques sont accessibles aussi. Internet a beaucoup avancé, réussi depuis sa création, car c'est une plateforme ouverte, transparente. Mais l'Internet subit des changements, des défis. Avec un monde qui change, qui devient de plus en plus complexe, et la confiance et la sécurité au niveau numérique sont au cœur de l'écosystème de l'Internet, essentiel aussi pour une transformation numérique réussie, car l'innovation, le leadership et le bien-être socio-économique dépendent fortement de cette confiance qui doit être méritée au quotidien, que nous devons mériter de vous. Je suis optimiste, je pense à vous tous, décideurs, experts, nous tous, en tant que grande famille humaine, nous allons pouvoir ensemble protéger, sauvegarder l'espace numérique si précieux dont nous ne pouvons pas nous passer dans nos vies. Je remercie l'ONU. Le comité d'organisation du forum, je remercie le gouvernement éthiopien pour cette excellente manifestation et j'espère que vous pourrez profiter de l'hospitalité, de la tradition éthiopienne, culture, musique, café, de mon très beau pays, l'Éthiopie, la terre et les origines. Merci d'avoir pris part à cette séance, ce qui met fin à notre panel. Merci.